Alléluia. 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. Son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous vous souhaitons les bienvenus sur le plateau de Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de repentance pour alerter le monde entier, pour préparer le peuple de Dieu au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, vous êtes sur l'émission de témoignage intitulée « Du passé au présent ». Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet de recevoir pour vous un couple et engagé dans la marche chrétienne qui a eu de parcours et qui aujourd'hui veut partager avec nous leur parcours, leur vie passée jusqu'au présent, de comment Jésus-Christ les a sortis des ténèbres à la lumière. Avant de commencer, nous allons prier pour recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu très très saint, Papa, je veux te louer. Je veux te magnifier. Je veux t'exalter. Je veux te dire infiniment merci. Merci une fois encore pour ce programme, pour cette nouvelle émission, Seigneur Jésus, où tu as permis à tes enfants de venir témoigner de tes merveilles dans leur vie, de ta grâce dans leur vie. Toi qui es allé les chercher dans les ténèbres, pour les amener à ta lumière. Seigneur, ils sont venus te dire merci. Parce que tu aimes que lorsque tu nous fais quelque chose, que nous témoignons pour bénir ton saint nom. Seigneur Jésus, c'est ce qu'ils sont venus faire. Papa, tous tes enfants qui vont suivre ce témoignage, et qui avait déjà perdu tout espoir, Seigneur Jésus, par ce témoignage, Papa, que leur espoir renaisse, Papa. Seigneur Jésus, tes enfants qui ont peut-être été déchus par la religion, qui ont été déchus de plusieurs manières, et qui ne croient plus en Dieu, oh Seigneur, par ce témoignage, que leur espoir revienne, Papa. Seigneur Jésus, par ce témoignage, nous voulons, Papa, que tu touches tes enfants qui sont encore en captivité dans l'islam et qui ne croient pas que c'est en toi qu'il y a la paix, que c'est en toi qu'il y a la vie, que c'est en toi qu'il y a la guérison, que c'est en toi qu'il y a la délivrance et qui sont en train de se perdre dans des choses vaines. Papa, par ce témoignage, Seigneur, visite leur âme. Seigneur, visite-les pour les amener à ta lumière. Seigneur Jésus, Papa, conduis-nous par ton Esprit Saint. Conduis-nous, Papa, par ta lumière. Et que, Seigneur, que tu les rappelles dans les moindres détails tout le parcours de leur vie passée jusqu'à présent.
pour pouvoir édifier ton peuple. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est merveilleux. Avec Jésus-Christ, nous sommes en paix, nous sommes en joie. Et c'est cette joie, cette paix que nous partageons sur cette émission du passé au présent. Et peuple de Dieu, la parole nous déclare dans le livre de l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc, par le témoignage, le Seigneur Jésus opère encore dans la vie de ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ces merveilles, de ceux qui ne croient pas encore que Jésus-Christ est capable de sauver, que Jésus-Christ est capable de délivrer, que Jésus-Christ est capable de guérir. Par le témoignage de ceux qui ont déjà reçu cette grâce, ceux qui sont encore dans les ténèbres reçoivent la lumière et viennent à cette lumière. Donc, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous recevons pour vous un couple spécial. Alléluia. Amen. Un couple qui vraiment et a une histoire commune que il veut partager avec nous. Ils étaient dans l'islam, l'islam pratiquant, et ils ont traversé beaucoup de situations. Ils ont traversé beaucoup de choses dans leur vie passée. Que ça soit l'homme, que ça soit la femme, peuple de Dieu, je suis sûr que leur témoignage va te dire quelque chose. Toi, musulman, qui va écouter ce témoignage, je suis sûr que tu vas recevoir encore un élément de plus pour savoir que c'est en Jésus qu'il y a la vérité. C'est en Jésus qu'il y a la vie. Alléluia. Ils sont venus de la France depuis quelques moments où ils sont venus pour s'imprégner de la marche chrétienne selon la sainte doctrine, de la vie de sanctification et aussi s'imprégner du réveil
du feu du réveil que le Seigneur Jésus-Christ a allumé, qui est en train d'embraser les nations aujourd'hui. Ils sont venus à cette lumière pour et allumer le feu et aller aussi éclairer la France, l'Europe tout entière. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons vous permettre de vous présenter au peuple de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Excusez-moi parce que j'ai la voix un peu cassée. Amen. Moi, c'est le frère Pierre. Amen. Et je suis né à Mayotte. Français né à Mayotte. Et j'étais, parce que je ne le suis plus, maintenant que je suis en Christ, j'étais musulman. Musulman pratiquant. Donc, j'ai grandi en étant musulman jusqu'à un moment où Jésus-Christ, il est venu nous visiter. Voilà. Alléluia. Servant de Dieu, ma sœur, vous allez vous présenter au peuple de Dieu qui nous suivent en ce moment. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis sœur Déborah, ancien nom c'est Bint Fatima, en tant que musulmane. Donc je suis d'origine mahoraise, moi aussi. On vit en France. Donc mon histoire avec Jésus-Christ, ça commence depuis Mayotte, depuis que j'étais musulmane. Jésus-Christ me parlait beaucoup. J'entends la voix tout le temps qui me parle. Mais je ne savais pas que c'était lui. Mais cette voix me parlait toujours. Jusqu'à un moment, il me parlait des choses qui se passaient, qui arrivaient en fait. La réalité des choses. Et puis, à un certain moment, avec mon ex-premier mari, c'est mon ex-défunt mari, avant que je le rencontre, dès mon jeune âge, le Seigneur me montrait que entre lui et moi, il y en a un qui allait mourir. Et il est musulman. Donc, mais c'est non pratiquant. Moi non... aussi non pratiquant. Okay. J'avais pas encore pratiqué. D'accord. Nous voulons comprendre, et effectivement, tu as déjà commencé. Voilà votre passé, votre histoire, vos difficultés dans la vie, avec la religion, avec les choses auxquelles vous croyez. Voilà. Donc, moi, dès mon jeune âge, quand j'avais 8-9 ans comme ça, ma mère m'a emmenée chez ma tante, sa grande sœur, dans un autre village pour s'occuper de moi. Elle est restée avec les autres, mais moi, je suis partie là-bas. Ma mère m'a amenée. J'avais 9 ans, 10 ans comme ça. J'ai commencé, j'ai poursuivi mes études là-bas, en classe de CE2. Jusqu'au lycée. C'est là-bas, dans ce village, que je me suis rencontrée avec le père de mes deux premiers enfants. Mais quand j'étais encore... on ne s'est pas encore mariés, je ne savais même pas si on allait encore se marier. Le Seigneur m'a montré cette situation-là, que j'ai en fait m'a montré deux tombes. L'une qui était destinée à moi, et l'autre était pour lui. On m'a montré fixement que c'était lui. En fait, ça le visait lui. Parce que c'est lui qu'on avait enterré. Mais pas moi. Et puis, il y a eu une histoire d'accident entre lui et moi. Si on voyait la voiture, on se croirait que voilà, les personnes qui étaient dedans ne sont pas en vie du tout. Donc, on peut dire que je suis morte et ressuscitée.
Parce donc, que... il y a eu un grave accident. Oui. Mmh. Il y a eu un grave accident. Mais on a survécu, tous les deux. Mmh. Mais c'est après qu'on s'est installé ensemble, tout ça là, qu'on a eu des enfants, que la mort est venue. Du coup, c'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre parce que c'est quelqu'un qui avait fait des études. Il a fait des études supérieures jusqu'à construire son propre entreprise. Du coup, je ne sais pas, après il a laissé ça, il a préféré enseigner. Il a enseigné, après il a laissé. En sachant que la famille, de côté belle-mère, eux, ils ne m'aimaient pas. Parce qu'ils ont voulu faire des mariages arrangés avec la famille, entre famille. Du coup, c'était un peu compliqué. On ne m'aimait pas, mais bon, comme l'homme a décidé que c'est moi qu'il va épouser, du coup, ils n'avaient plus rien à dire. Ils ont fait les fiançailles, tout ça, et puis voilà. Du coup, entre-temps, il y a eu aussi une tension entre côté belle-mère et côté ma mère. Parce que, vu que ma mère, elle voulait absolument que... elle voulait absolument faire, en fait, un mariage traditionnel, comme les musulmans font. À la mosquée. Pas forcément à la mosquée, mais l'histoire de virginité, des trucs comme ça. Du coup, ça n'a pas pu se faire parce que, voilà, vu que la famille côté homme, ils voulaient ça, eux ici, ils n'étaient pas prêts. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils m'ont pas, je ne sais pas trop, mais ça ne s'est pas fait. Du coup, on s'est retrouvés tous les deux, on a fait notre vie. On a fait notre vie et puis il y a eu une histoire de grossesse, tout ça là. Mon premier enfant, que tout le monde voulait que j'avorte, mais le Seigneur n'a pas permis parce que ils ont déjà pris, c'est le papa, il a pris le rendez-vous à l'hôpital, tout ça là, pour faire cette démarche-là. Et en ce moment-là aussi, j'étais chez ma mère. Ma mère m'a renvoyée, quoi. Elle voulait plus. Du coup, je suis partie vivre encore avec le papa là dans leur village. Et personne, en fait, je parlais avec personne, ni ma tante qui m'a élevée dans le même village. Je ne passais pas chez elle. Et eux non plus, ils ne passaient pas là chez moi, ni ma mère dans un autre village. Personne en fait, j'étais en contact avec personne. La souffrance a commencé là. Je me suis retrouvée seule, avec une famille belle-mère qui ne m'aime pas. Du coup, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils se sont amusés avec moi. Jusqu'à je dors la nuit, on me montre... c'est comme s'ils étaient partis cueillir les feuilles pour faire l'envoûtement, des trucs comme ça. On me montrait ça spirituellement dans le songe. Ils ont ramené ça. J'ai vu, enfin, du sentiment que j'ai eu qu'ils voulaient faire ça pour moi. Ils voulaient me faire ça à moi. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. S'ils ont fait, mais moi je pense qu'ils ont fait, mais. Ils n'aboutissent toujours à rien parce que ils voient toujours que malgré ce qu'ils font, l'homme est toujours attaché à moi. Ils m'accusent que moi je lui fais des choses. Moi aussi je l'envoûte en fait. Alors que ça, tout ça là, c'était pas en moi quoi. Je ne pensais pas à des choses comme ça et je ne les faisais pas. Je ne pratiquais pas encore des choses comme ça. Du coup, on est resté là dans la souffrance. À chaque fois que le monsieur voulait acheter quelque chose, sa mère intervient. Non, tu ne peux pas faire ça.
tu gaspilles l'argent pour rien, des choses comme ça. C'était tout le temps comme ça. Du coup, ma souffrance a commencé par là. Donc, je suis détestée par les belles-mères et les belles-sœurs. Tout le monde, du coup, j'étais là comme si, voilà, j'étais au milieu des gens qui n'étaient pas, en fait, contents de moi. Jusqu'à un jour, parce que le monsieur aussi il m'avait raconté son histoire, son enfance, et c'était pas une enfance heureuse. Parce que sa mère, en fait, son grand-père maternel a forcé le mariage avec sa mère, et ils l'ont eu comme ça, mais après, le papa là, sa maman l'a mis dehors. Entre musulmans, en fait, son père était un grand, on peut dire un grand, on appelle ça fondi, mais ça c'est, on peut appeler ça aussi, il fait des marabotages. Du coup, le grand-père de mon ex, défunt mari, lui aussi, comme il était un homme respecté dans la religion, du coup, il avait voulu que sa fille se marie aussi avec un homme comme lui. Du coup, c'est là la confusion. Du coup, lui aussi, il a souffert dans tout ça. Lui aussi, il avait souffert dans tout ça. Du coup, quand sa mère venait me faire, on peut dire, excusez-moi du terme, me faire chier, par exemple, comme ça, et un jour, j'en pouvais plus. J'ai dit, tous les jours, tu viens m'insulter. Tous les jours, tu viens là, tu dis ci, tu dis ça. Je ne dis rien, je te respecte. Mais aujourd'hui, là, je suis fatiguée. Et quand je lui ai dit les quatre vérités, que oui, elle non plus, elle n'aime pas son fils. Il lui a fait souffrir. Elle a commencé à me gifler. Elle m'a donné une gifle. Mais moi, j'ai dit, je ne veux pas, je ne suis pas folle. Tu es comme une maman pour moi. Parce que tu peux me mettre au monde. Du coup, moi, je ne te rendrai pas. Il y aura une main plus grande que moi qui te frappera, mais pas moi. Du coup, j'ai laissé comme ça. Ça a commencé comme ça jusqu'à que la famille de ma mère, enfin, deux de mes sœurs, ils se sont déplacés pour venir me chercher, me voir là où j'étais. Et ils m'ont dit que oui, il faut que tu fasses la paix avec maman, tout ça là. Ils sont venus me chercher, on est partis. Et là, ils ne m'ont pas ramené, en fait, c'était pas que chez ma mère, mais on m'a amené chez une famille qui a des djinns, les esprits, pour aller consulter. Moi-même, j'étais surprise parce que je ne m'y attendais pas. Et là, arrivé là-bas, ils ont parlé, oui, elle souffre beaucoup, on lui a fait ci, on lui a fait ça. Mais moi, vous savez, quand on me donne des choses comme ça, moi, je pars là-bas, je jette. Je ne les mets pas. Du coup, ça a commencé là. Et puis, je suis retournée dans mon village. Ma mère me disait qu'il fallait que je rentre là-bas. On m'a donné la maison de ma grande sœur parce qu'elle voyageait, elle habitait à La Réunion. Du coup, je suis retournée là-bas avec le papa là. On habitait là. La maison n'était pas complètement finie, mais lui, comme il avait fait son entreprise là, comme il a gagné assez de sous, il a arrangé la maison à l'intérieur, il a fait l'installation électrique et tout, téléphone et tout. Et il m'avait dit un truc, que oui, si au lieu que ma grande sœur, si elle envoie des sous pour faire arranger sa maison, qu'elle me donne ça, que je puisse faire la mienne. Enfin, c'est comme si elle remboursait quoi, ce qu'il a dépensé dedans pour que je puisse moi aussi faire la mienne, construire la mienne. Mais moi, je lui ai dit, parce que je connais ma famille, je lui ai dit déjà, ça va créer des problèmes.
je ne veux pas de problème avec qui que ce soit. On a fait pour ça, pour habiter là, restons là. On réclame rien du tout. Mais je ne sais pas après son cœur si il avait accepté ou pas, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et ça a continué comme ça après. C'est, en fait, c'est sa famille là-bas qui est venue encore. Ils ne rendent jamais visite. Et là, c'est quand j'ai accouché mon deuxième enfant, un garçon. Il y a une demi-sœur de sa mère qui est venue. Elle est remplie des esprits. Elle est venue là un jour. Elle me dit, oui, je vais juste voir ici, là, dans la peau. Alors qu'elle faisait déjà son plan. Je ne savais pas. Quand la nuit tombait, il était accompagné de mon cousin. Mon cousin, le fils de ma tante qui m'a élevée. Ils sont venus là. Je leur ai dit, rentrez, ils ne sont même pas rentrés à la maison. Ils ont juste regardé la cour et puis ils sont partis. Du coup, c'est le soir, vers minuit, comme ça, on a entendu un bruit qui sortait de dehors, qui est rentré dans la cour, qui a fait le tour de la maison. Cette chose-là se déplaçait très très vite. Il a fait un tour jusqu'à sortir encore de la cour. C'est là qu'on a compris que cette dame-là n'était pas venue nous rendre visite, mais elle est venue en fait faire, elle avait son plan en fait pour faire son gris-gris. Pour envoûter. Oui. Parce que eux, en fait, leur but, c'était de nous séparer. Eux, ils voulaient absolument que lui, il aille se marier avec quelqu'un de chez eux. Là. Eux, dans leur village, c'est comme ça. Ils ne veulent pas se marier, ils ne veulent pas voir une fille qui vient d'ailleurs prendre leurs hommes quoi, dans leur village. Ça, c'est comme ça. On ne vous aime pas, on ne vous aimera pas. C'est comme ça. Du coup, c'était compliqué. C'était compliqué alors que j'ai passé toute mon enfance là. Personne ne m'aimait. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, il a commencé à délaisser son travail. Du coup, la souffrance a encore empiré chez moi, côté. Mais moi, j'avais fait une formation, mais la formation là, à chaque fois que j'ai envie de me lever pour faire quelque chose pour moi, soit je tombe malade, soit je tombe enceinte. C'est toujours des choses comme ça. Du coup, je n'arrive à rien. Mes études, rien. Si je cherche du travail, rien. Je fais la formation, rien. Ça a toujours été comme ça. Et quand il a délaissé son travail, on nous a coupé l'électricité, on nous a coupé l'eau. Tout, il n'y avait plus rien. Même manger, c'était difficile. J'étais obligée d'aller demander chez ma mère, chez les voisines. C'était comme ça. Même l'eau, j'étais obligée d'aller. Mais quand je pars chez ma mère là-bas, on me parlait, c'était comme des malédictions en fait, des paroles de malédiction prononcées venant de ma mère. Elle ne voulait pas, puisqu'il n'aimait pas non plus mon ex-défunt mari, il n'aimait pas. En fait, la mère là-bas, la belle-mère ne m'aime pas. Et ma mère n'aime pas. Non. Donc c'était une guerre quelque part. C'était un combat. Oui. C'était une guerre entre eux. Du coup, c'était vraiment difficile pour moi aller jusqu'à voler dans les champs des gens. Je suis passée par là. Aller jusqu'à voler dans les champs des gens pour que mes enfants puissent manger. J'allais demander de pétrole pour que je puisse allumer, juste avoir la lumière dans ma maison. C'est ça. La situation était très compliquée. Oui, c'était très compliqué.
Du coup, après, il avait décidé qu'on allait retourner en France. C'était la solution que lui voyait. Du coup, il m'a fait travailler sur un projet de formation, faire le gardiennage. Elle dit que oui, ça paye bien en France, va faire cette formation-là, comme ça tu verras, tu vas être bien payé, ceci, cela, logé, nourri. J'ai dit, bon, on va passer par là alors. Du coup, j'ai fait mes démarches, j'ai fait la formation, j'ai fait ce qu'on appelle ANT Mobilité, c'est pour qu'on puisse m'envoyer faire la formation en France. Parce que ça nous évite en fait d'économiser aussi pour moi, pour les billets, tout ça là. Du coup, je suis passée par là, mais malheureusement, moi avec ma bouche, j'ai pas fermé ma bouche. J'ai dit à sa mère que oui, il voulait retourner en France. Je crois que là, ça a déclenché quelque chose. Elle voulait empêcher ça, sauf que elle a mal. Je sais pas où est-ce qu'elle est partie, chez quel marabout, mais ce qu'on lui a donné, en tout cas, a tué son enfant. A tué son enfant parce que elle a fait ça, mais après, un jour, le jour où ça allait arriver, bien avant ça, ça a commencé par des disputes fortes à la maison. On se disputait, on se bagarrait à la maison. Et là, quand il s'est calmé, enfin, même pas se calmer, je lui ai demandé ce jour-là, parce que c'était vraiment fort. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Du coup, je lui ai posé la question. J'ai dit, pourquoi tu me parles des... En fait, il sortait des paroles bizarres. Du coup, je lui ai demandé, est-ce que tu vas mourir quand tu parles comme ça? C'est comme si, je ne sais pas, le Seigneur m'a donné cette parole-là pour lui poser la question. Et lui-même, il m'a dit oui. Oui, il m'a dit ça. Sans qu'il n'ait conscience de ce qu'il disait. De ce qui veut se passer. Il m'a dit oui. Du coup, après, c'est là que après, j'ai eu la révélation encore du Seigneur. Mais cette fois-ci, c'est comme si son trône était descendu dans ma maison, là où j'étais. C'est comme si son trône... Jusque-là, tu n'es pas encore engagé dans la vie chrétienne. Non. Pas encore. J'étais encore musulmane. Tu es toujours dans l'islam. Oui. Mais déjà, tu as commencé par recevoir... Des révélations de la part du Seigneur Jésus. Oui. Il est descendu, ce trône-là est descendu. J'ai bien vu. Je ne sais même pas comment. Il était habillé comme un arabe, mais sur un trône. Et il y avait deux personnes, enfin, c'est des anges. Deux anges, oui. L'une à droite. L'une à gauche, il était là. Il m'a dit, c'est lui qui parlait. Viens te prosterner devant ton Seigneur. Alléluia. Moi, j'ai refusé. J'ai dit non, ça c'est le diable ça. C'est ce que je disais, que le Seigneur me pardonne. Oui, il t'a déjà pardonné. Oui, et tout ce que, quand tu es dans l'islam, tout ce que tu es capable de dire contre Jésus, on ne peut pas imaginer. Et on est capable même de prononcer toutes sortes de blasphèmes contre le nom de Jésus, mais tellement il est amoureux, tellement il est miséricordieux que et il ne tient pas compte de tout ça. Même le musulman qui le déteste le plus, c'est là il l'aime encore le plus. Le Seigneur, vraiment, il est miséricordieux. Donc, il s'est révélé à toi dans ta maison et il te dit, ma fille, viens m'adorer, viens te prosterner devant moi. Viens te prosterner devant ton Seigneur. Trois fois, il m'a dit ça. Et comme la troisième fois, j'ai révélé. Est-ce que c'est dans un
songe à ce que tu dors. Oui. Voilà, tu dors comme ça. J'ai vu son trône descendu là, et avec ses deux anges. Et il me disait ça trois fois. Et moi, je dis toujours, ça c'est le diable ça. J'ai dormi encore. Il vient encore. Viens te prosterner devant ton Seigneur. J'ai dit, mais pourquoi il insiste comme ça là? Pourquoi il insiste? Mais non, ça c'est le diable ça. Ça ne et, pas et jusqu'à ce niveau, si c'est un homme qui te parle de Jésus pour dire, viens donner ta vie à Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je pense que j'allais lui dire, non, je suis musulmane. Voilà, né musulmane pour mourir musulmane. C'était comme ça. Après, quand il s'est retiré, là j'ai vu un grand homme maintenant, devant la porte comme ça. Je ne voyais même pas sa tête et où, mais il était balèze, noir, un géant, avec un gros ventre. J'ai crié. Ah. Là, j'ai crié par contre, j'ai eu peur. Et puis, je regardais si le trône a été tourné. Je cherchais, il y avait rien. Tu as commencé maintenant pas chercher celui qui est descendu sur le trône de palais. C'est ça. Il n'était plus là. J'ai dit, mais ici, il n'y a que mon frigo. Il est parti où? Alors que c'était là. Du coup, après, c'est là que, après, un peu, le temps avance. C'est là que le jour J arrive. Mais je pense que c'était ça qu'il est venu, c'était pour ça qu'il était venu. Il voulait en fait que je me prosterne devant lui. Je ne savais pas, mais il voulait sauver la vie de ce papa-là, le père de mes enfants. Là, il voulait le sauver. C'était pour m'avertir, mais moi, dans ma nature musulmane, j'ai pas pu... Tu ne croyais à rien non, de tout ça. Ça, c'est le diable qui vient me tenter ça. Alors que je ne savais pas que le diable en personne, c'est celui qu'on adore. C'est malheureusement la compréhension de beaucoup de musulmans quand on partage avec eux les visions, comment Jésus-Christ visite les musulmans, même des imams, pour leur dire, venez, et c'est moi votre sauveur. Beaucoup de musulmans qui n'ont pas encore expérimenté et cette vision, ils disent que non, que c'est le diable qui est habillé comme ça, que c'est le diable, que c'est pas Dieu, voilà. Donc beaucoup disent ça, voilà. Ils disent que oui, ils se déguisent en fait. Et beaucoup disent même que les songes, les rêves, tout ça qu'on fait, que c'est faux en fait. Voilà. C'est pas la réalité, c'est juste, on voit ça comme ça. Mais... Oui, ils disent que c'est le diable déguisé. Voilà. Du coup, là, ça a commencé. Le jour J arrive, le monsieur, il a dit qu'il allait partir dans son village. Dans mon village, il était déjà dans mon village, il allait partir dans son village. Qu'il allait faire un jour, le lendemain, il allait rentrer. Mais mon cœur ne me rassura rien. Le Seigneur m'a mis à cœur, lui, s'il part là-bas, soit on va le marier à une autre fille, soit il va mourir. Deux choses. Et moi, j'étais là. J'avais mon fils, il avait un an et demi. Il avait un an et demi, le plus petit. Et l'autre, la fille, la grande, il a amené, comme il voyait qu'il n'arrivait plus à subvenir à ses besoins, il avait déposé chez sa mère là-bas, l'enfant vivait là-bas. Je ne voulais pas, mais lui, il a forcé. Puis j'ai dit, comme il est un homme, moi je ne vais pas me battre avec lui, je laisse. Il a amené l'enfant là-bas et tout se passait bien. Jusqu'à sa mort, après, là, c'est autre chose. Mais en ce temps-là, ça allait.
il est parti. Mais quand il partait, dès qu'il a mis son pied dehors, ça a commencé, mon cœur commençait à ne pas être tranquille. Et le Seigneur me mettait à cœur ces deux choses-là. Et en plus de ça, mon fils, le petit, là, il pleurait. Il pleurait, il n'était pas tranquille, il me demandait, il va où papa, il va où, il est où, il va où, il va où. J'ai dit, ne t'inquiète pas, il va revenir. Il va revenir, je le rassure, mais moi-même, je n'étais pas rassurée. Du coup, quand il partait, jusqu'à sortir de la cour, il a pris un chemin pour monter, pour y aller. On l'a suivi. On l'a suivi, on est parti dans l'autre porte qui est vers le chemin qu'il a pris dans la cour. On était resté là, regarder partir. C'est comme si c'était un au revoir, en fait. C'était un au revoir. Parce qu'il montait, à un moment donné, nous, on était fixés, on était resté là avec mon fils. On le regardait partir. Mais lui aussi, c'est comme si le Seigneur lui a mis aussi, retourne-toi un peu, regarde. C'était un au revoir. C'est là qu'on s'est vu pour la dernière fois vivant. Du coup, c'était seulement les regards comme ça de moi. Il est parti. Il est parti. Le lendemain, quand il a dit qu'il allait revenir, on attendait jusqu'à 18h comme ça. Moi, je sais à peu près quand il rentre à la maison. Du coup, j'ai attendu l'heure qu'il a dit, parce qu'il avait un rendez-vous à la maison aussi avec quelqu'un. Et là, rien. Il n'arrivait toujours pas. Là, ça a commencé, mon cœur n'était pas tranquille. J'ai dit, s'il ne rentre pas aujourd'hui, demain, j'ai dit le lendemain, moi je vais prendre un taxi, je vais aller dans son village là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Et du coup, Dieu a fait que, voilà, il est resté là-bas. Il a eu, je ne sais pas, une attaque de minuit jusqu'à midi. Ça a fait 24 heures. Il avait des baves blanches seulement qui sont. Il manquait d'air. On l'a trouvé comme ça. Et là, de là où il était échappé chez sa mère, c'était pas loin, c'est ça le plus mystérieux. De là où il était et la maison de sa mère, c'était pas loin. C'était pas loin. Et tout le long du quartier, il n'y avait que sa famille maternelle. Il n'y avait que sa famille maternelle. La maison même, là où il a dormi, c'est la maison de son oncle éloigné, mais famille maternelle. Voilà. Du coup, sa famille, il y a sa tante qui est venue avec son fils. Ils sont venus, monsieur, ils m'ont dit, assis-toi. Ils sont venus à la maison. Assis-toi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, soit là, ils vont m'annoncer ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Bien sûr. L'un des deux, ils vont m'annoncer. Du coup, je me suis assise, mais le cœur n'y est pas. On m'a dit, oui, on est venu te voir parce que il s'est passé que le père de tes enfants, on l'a trouvé évanoui, manque d'air. Il est inconscient, du coup il est tombé dans le coma, on l'a amené à l'hôpital. J'ai dit voilà, ça c'est ce qu'on m'avait annoncé là, c'est ça. Seigneur. Du coup, on l'a amené. Et au moment où tu avais reçu ça, voilà que tu n'avais pas Jésus, tu ne sais pas prier. Or, si tu savais prier, ça allait changer quelque chose. Oh Seigneur. Je ne sais pas. Même si mais ma prière, si j'avais prié, la prière musulmane et la prière avec Jésus, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Invoquer le vrai, invoquer le faux, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Donc, voilà. Du coup, ça a commencé comme ça. Et puis, moi, je leur ai dit, j'ai juste envoyé, je suis partie voir une voisine à côté, je lui ai dit ce qui s'est passé pour aller avertir à ma mère parce que j'ai dit j'ai pas le moyen le lendemain pour aller le voir là-bas à l'hôpital. Du coup
j'ai accompagné direct, je suis partie avec sa tante et son fils. Là. Je suis partie chez eux dans leur village, j'ai dormi chez mon ex-belle-mère là-bas. Et le lendemain, le matin, j'ai encore profité pour ceux qui allaient descendre en ville là-bas pour aller travailler. Je suis partie avec eux pour aller le voir. Quand je l'ai trouvé, il était inconscient. Inconscient. Ils ont mis toute la machine partout. Puisqu'il n'y a plus d'air dans ce cerveau. On n'espérait plus à rien. Du coup, il est resté dans la réanimation, je ne sais pas, une semaine ou deux semaines comme ça, et puis il est parti. C'est comme si le Seigneur, le jour où ça allait, c'était le dernier jour, le Seigneur m'a fait rentrer à la maison. Je suis partie chez ma mère, et là, on est venu seulement m'annoncer. Que c'est fini. Que c'était fini. Mais pendant tout ce temps-là qu'il était à l'hôpital, je n'ai pas eu le soutien de ma famille. Je n'ai pas eu le soutien de ma famille. Quand je vous dis dans mes péchés là que j'avais la haine envers mes parents, jusqu'à leur souhaiter la mort. Il y a tout ça là. Il y a tout ça là, voilà. Tout ça là. Parce que j'avais vraiment souffert. J'avais vraiment souffert. Je ne sais pas si ils étaient conscients de ça, mais je souffrais vraiment. Je souffrais vraiment. Aller jusqu'à dire que oui, j'ai reproché même le Seigneur. Il me pardonne. Oui, pourquoi tu m'as mis dans cette famille-là? Pourquoi je ne suis pas mis ailleurs? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Moi, c'était la colère. Ah, que le Seigneur vraiment te fortifie. Et donc, vraiment, les choses sont arrivées comme ça et il est parti. Il est parti subitement, sans qu'on ait pu échanger quoi que ce soit. Et c'était fini comme ça. C'était fini comme ça. Et c'est pas tout. Le Seigneur me montrait beaucoup de choses. Le Seigneur me montrait que c'est comme si dans ma maison là où j'étais, comme si c'était rempli d'eau. En fait, c'est comme s'il y avait une inondation totale. Il y avait une inondation totale et je me voyais avec mes enfants nager dans cette eau-là. C'est après, plus rien, comme si on était inconscient dedans. Et il m'avait montré aussi, j'avais vu beaucoup de choses, beaucoup de révélations pour comme tout musulman. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses parce que il m'a montré aussi, c'est comme le jour de la résurrection. Un grand champ. Un grand champ et tous les morts étaient montés comme une arbre qui était plantée et qui sortait comme ça. Wow. Jusque-là, tu étais encore dans l'islam. Tout ça, j'étais dans l'islam. Et le Seigneur te révèle toutes ces choses pour t'indiquer la voie à suivre. Jusqu'à il y avait une dame que j'avais bien, j'aimais bien cette dame-là. Et elle tenait une boutique que j'ai l'habitude d'aller acheter des choses. Cette dame-là, on lui a fait une sorcellerie. Elle avait le pied gonflé comme ça. Jusqu'à, on l'avait amenée à l'hôpital. Je pense qu'elle ne savait pas ce que c'était. Je crois que son mari avait deux femmes, un truc comme ça. Et cette dame-là, je passais un jour, j'ai croisé son frère, je lui demandais, elle est où ta soeur? Elle a dit, il me dit que oui, il est à l'hôpital. À l'hôpital, pourquoi? Et puis il me dit que oui, elle a le pied gonflé, on l'a amené à l'hôpital. Et puis ça n'allait pas non plus là-bas, où ça allait un peu mieux, on l'a ramené à la maison. Mais un jour, quand je suis passée par là, je la voyais. Le Seigneur me met à cœur encore. Que cette dame-là, cette chose qu'on lui a fait sur son pied-là, ça va l'amener à la mort. Ça va l'amener à la mort. Elle va mourir à cause de ça. Du coup, moi, j'ai rien dit. Tu n'as rien dit. Je suis partie. J'ai pris ça juste pour moi. Je suis partie. Et c'était, je ne sais pas,
même pas la fin de semaine, la dame est partie. Même pas trois jours. La dame est partie. Ce jour, j'ai eu peur. C'est la première fois que j'ai eu peur. Ce jour-là. Et tu as compris vraiment que. Oui, la vie. Il y a une voix qui parle en toi et les choses se passent, se réalisent. Oui. Moi, j'ai eu peur. J'ai pris peur par rapport à ça. Vraiment. J'ai eu très, très peur. Et puis. Là. Et est-ce que. Jusqu'à cet instant, est-ce que tu as. Déjà commencé par t'intéresser vraiment à cette voix qui parle en toi, qui se révèle à toi, qui te montre des choses. Est-ce que tu as commencé déjà par t'intéresser à ça? Non. Pas je me plus. Demandais qui c'était, mais ni plus. Parce que quand je parle, j'essaie de parler à ma famille de ces songes-là, mais ils me disent rien. Il n'y a personne qui peut te dire quelque chose. Non, il n'y a personne qui me disait quelque chose. Personne. Personne ne peut me dire que oui, c'est comme ça, personne. Du coup, c'est quand je suis après la mort de mon ex-défunt mari, là, c'est après sa mort, j'ai commencé, comme j'ai déjà entamé, on avait déjà entamé un projet de revenir en France avec ma formation, là, à intermobilité, là, à travers ça. J'ai fait ma formation, j'ai fait toutes les démarches, j'ai fait des entretiens, ils ont accepté et il restait juste qu'eux, ils payent le billet et m'envoyaient en France pour faire la formation. Du coup, je me suis retrouvée seule dans ce projet. Du coup, j'ai dit, comme maintenant, je connais déjà comment ça fonctionne, la famille... la famille de mon ex-défunt mari, ma belle-mère, tout ça là, j'ai dit, comme lui, il est déjà mort, là, je suis devenue maman et papa des enfants. Donc, il faut que je me débrouille toute seule. Il faut que je me débrouille toute seule. C'est là que j'ai eu vraiment l'envie de réussir vraiment dans ma vie pour subvenir. Une femme battante. Du coup, je n'espérais rien à personne. Malgré ça, ils m'ont donné l'argent. C'est ma belle-mère qui m'a remis cet argent-là. Que oui, pendant le deuil, ça te permettra de subvenir à tes besoins avec l'enfant et tout. J'ai pris ça, j'ai gardé de côté et ça m'a un peu aidée avec les enfants. Enfin, pas les enfants, mais juste avec le petit, là. Parce que la fille était déjà avec elle, là-bas. Mais quand arrivait qu'on m'appelait pour faire le voyage, je suis partie la voir. Elle m'a posé la question. Tu vas partir en France, mais si tu pars là-bas, si tu amènes la fille, le garçon n'ira pas. Si tu amènes le garçon, la fille n'ira pas. Elle commence déjà à imposer. Alors que c'est mes enfants. Quand le papa était là, elle était bien. Elle gardait bien l'enfant. Mais comme le papa est mort, moi je suis venue ici en France. Même le petit là était avec les demi-sœurs de mon défunt mari, là, mon ex-défunt mari. Eux, ils ont eu pitié de moi, ils ont pris le petit là. Je leur ai dit, faites son passeport, mais après je le prendrai avec moi. Quand ma formation finit, je le prendrai avec moi. Ils m'ont fait cette faveur là, je suis venue en France et j'ai fait ma formation jusqu'à ma formation finie. J'ai pu économiser, ils ont fait son passeport, j'ai pu prendre mon fils. J'ai pris mon fils. Mais la grande, c'était en 2008 que je voulais la prendre parce que je suis partie en vacances à Mayotte là-bas. C'est là que les problèmes ont commencé encore avec elle. J'ai voulu prendre ma fille, amener ma fille avec moi. Ma fille est comme son petit frère.
Il a sa maman, son papa français, il n'y a aucun problème. Ils ont leur extrait. On peut faire les papiers sans qu'il y ait des problèmes. On m'a compliqué jusqu'à on m'a dit qu'il fallait déposer un dossier au tribunal. Je suis partie quand même faire. Parce que je pars à la mairie pour faire son papier, ça ne marche pas. Je vais dans son village là-bas, le village de son père là-bas, ça ne marche pas. Parce que la grand-mère même, elle travaillait à la mairie. Elle travaillait là-bas. Je ne sais pas. C'est une femme qui aime toucher. Elle croit que moi, je ne comprends, je ne sais pas. Je fais la folle. Comme je ne comprends rien, je ne sais rien. Mais je sais tout ce qu'elle fait. Parce que même un jour, quand on habitait encore dans la maison de sa sœur, juste dans la même cour, j'ai trouvé des... Je ne sais pas, c'est des quoi? Les gris-gris qu'ils mettent, le courant qu'ils mettent dans les tissus, et puis ils poussent ça bien, les protections comme ça. J'ai trouvé ça. J'ai même pas eu peur. J'ai pris ça, j'ai dit je vais attendre. Quand elle sortira du travail, je vais lui demander c'est à qui. Quand je lui ai montré ça, elle me dit ah, t'as eu la chance que c'était pas en fait le papa là qui a eu ça, mais c'est moi qui a eu ça. Si c'était lui qui allait ramasser ça, alors là, on allait séparer, comme il a dit, c'est comme un oiseau qui vole, je ne sais pas, un truc comme ça. Et elle me dit encore des mensonges, parce que je sais que c'est des mensonges, que oui, ça là, soit ça vient de ta mère là-bas, ou de ta tante. Comment ma mère, qui habite loin, va venir mettre les choses là? Et ma tante, qui ne s'occupe même pas, qui s'intéresse même pas à moi, va venir jusqu'à là, juste pour mettre ça, pourquoi? Alors que c'est elle qui veut que, voilà, ce mariage soit fini. Mais après, il y avait un truc. Quand après la mort de papa, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me posais la question toujours. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Même à l'hôpital, hein, j'avais touché le pied comme ça. Là, et je lui ai posé la question. Tu vas me laisser seule avec ces deux enfants. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai posé la question, j'ai touché comme ça son pied. Et là, à un moment donné, il était comme ça, là. Il voulait parler, mais il n'arrivait pas. Il voulait me dire, mais il n'arrivait pas. Il avait déjà fermé la bouche. Il n'arrivait pas. Seigneur Jésus. Oui. Et voilà maintenant... Les difficultés sur difficultés, certainement quelque chose t'a poussé maintenant vers Jésus. C'est pas tout. C'est pas tout. Parce que après ces choses-là, dans tout ça, les difficultés avec sa famille, tout ça là, quand il était encore là, il y a aussi le lien de maraboutage, tout ça. Mais dans ma propre famille, ma soeur, ma cousine, tout ça là. Parce que c'est eux en fait, eux ils me poussent à aller voir. Mais moi, je n'étais pas trop dans ces choses-là. C'est eux en fait qui me poussaient à aller vers lui. Tu vas perdre ton mari si tu ne fais rien, t'es comme ça. Du coup, ils m'ont poussé tellement que je suis rentrée dedans. Allez, amène ça, va faire ci. Maintenant, là, j'ai fait le pratique. Je fais ces pratiques-là, mais ça empire. Ça empire les choses. Ça a toujours été le cas. Ça empire les choses. Ça n'a jamais arrangé les choses. Oui, fais comme ça. Tu vas passer un concours. Tu vas avoir ton examen. Tu pourras aller travailler.
Rien du tout. Ça ne donne rien. Rien du tout. Du coup, c'est tout ça là, moi, ce que j'ai fait, parce que ça mais fait... Et étant musulman dans ce temps, est-ce que tu n'as pas pensé appeler voilà, le Dieu de l'islam au secours pour tes problèmes, pour tes situations? Quand j'invoque, c'est juste comme ça. Mais aller faire en pratique, non. Tout le temps, tu es dedans. Oui. Tu croyais à ça. Oui. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Moi, je me suis toujours dit, je fais partie de la famille d'Abraham. C'est tout. Oui, ça m'est déjà arrivé, ça. Je me suis toujours mis dans ma tête que je suis descendant d'Abraham.